Avec les résultats de la veille, Caen occupe la 17e place avec le même nombre de points que Montpellier barragiste. Les Malherbistes accueillent Saint-Etienne 10e qui aurait l'opportunité en cas de succès de gagner 3 places au classement. Selon voilà, les Verts ne se sont toujours pas imposés à l'extérieur depuis le début de la saison et y ont pris seulement 2 points en 4 matchs. Caen, c'est 3 victoires de suite en Ligue 1 contre Saint-Etienne et Patrice Garand espère poursuivre cette belle série. Mais en tout cas, ces hommes ne mettent pas les ingrédients nécessaires pour accéder aux 3 points. Ce sont au contraire les Stéphanois qui tentent avec cette frappe de Jordan Veretout captée par Rémi Vercoutre. Un coup franc devant la cage de Stéphane Ruffier sans grand danger pour le portier de Saint-Etienne qui fêtait sa 200e en Ligue 1 avec le maillot vert. Rémi Vercoutre a un peu plus de travail que son homologue avec cette reprise un petit peu écrasée d'Henri Cévet. La mi-temps est sifflée par Monsieur Tual au terme d'une première période sans grand relief. 0-0, Caen a subi la domination stérile stéphanoise. Des Verts qui, comme à leur habitude depuis le début de la saison, ne marquent pas en première mi-temps. On s'attend donc à un peu plus d'allant offensif dans le deuxième acte. Et les attentes vont être converties sur le terrain avec ce beau décalage pour Kevin Malcuit. Le latéral prend le temps de lever la tête. Monet Paquet est contré. Mais ensuite, c'est Henri Cévet en embuscade qui trompe Rémi Vercoutre pour le 1-0 à la 49e minute. Les Stéphanois ont su accélérer. Caen reste dans l'apathie développé en première période et la sanction tombe. Une réaction à intervenir pour les hommes de Patrice Garande avec cette frappe lointaine de Basile. Aucune prise de risque pour Stéphane Ruffier qui boxe ce ballon flottant des 2 points. 10 minutes après l'ouverture du score d'Henri Cévet, les Stéphanois vont marquer un deuxième but à la suite de ce coup de pied arrêté. Le ballon tarde à être dégagé. La frappe puissante de Jordan Veretout. Rémi Vercoutre est battu au premier poteau. Grâce à ces 2 recrues arrivées dans les tout derniers jours du mercato cet été, Saint-Etienne mène 2-0 et Caen est puni d'avoir trop attendu, d'avoir été trop passif, alors que c'est bien à domicile que les hommes de Patrice Garande prennent le plus de points. Les Verts en ont encore sous la semelle après leur match de Coupe d'Europe remporté face à Kabala en milieu de semaine. Vercoutre est une nouvelle fois obligé de s'interposer. Saint-Etienne signe sa première victoire de la saison à l'extérieur et pointe en 7e position avec 16 unités. Caen, en bas de tableau, va désormais devoir regarder dans le rétroviseur.